Toujours l'activité italienne, hein. La défense qui ne s'arrête pas à Charterot. Catch and shoot réussi. Le premier à 3 points pour la MVP du championnat de France. Et bah, tout droit, c'est libéré et c'est propre pour Sandrine Gruda. Un tir facile. Luko Savievic pour Gabby Williams à 3 points. Et ça tombe dedans pour Spooky G. C'est hors des radars, effectivement, des arbitres et des écrans. Jolie passe et jolie proposition signée Andy Meyem. Vers Andy Meyem et le deuxième effort signé Vuko Savievic. Voir mieux, clairement, elles ne sont pas venues faire de la figuration. Belle passe à terre, trouvée, voilà les paniers faciles qu'on recherche pour servir les grandes. Elena Siak, ce qu'elle aime. On sent qu'il y a quand même plus de rythme qu'hier en attaque. Elle a mis les gants de boxe, Valériane, oui, pour offrir derrière une passe à Meyem. Encore une Italienne qui a fini sur les fesses. Tir difficile, elle se bat, elle s'arrache. À 3 points, Martina Fassina, elle aussi c'est un nouveau visage. Elle qui a fêté sa première sélection, ses premiers points hier, elle en a mis 5. Deuxième sélection, elle est à 3. Elle est toute jeune. Exactement. En tout cas sur son visage. Une agressivité, Bestagno, elle est partout. On a presque l'impression qu'elles sont plus que 5 sur le parquet. Ouais. Sarah Michel va nous faire du bien pour recoller à 22 partout. Sur une jambe. En mode Dirk Nowitzki, elle a le 41 en plus. Johannes dans le trafic. Et un panier facile de l'autre côté. Touchdown pour la France. 26, 24, un partout. Bien sûr, à 0 degré. Ça, c'est des tirs qu'elle apprécie. Sandrine Gruda qui enchaîne. 5 points pour elle. Sortie de balle un peu... Ah, toujours, hein, les passes de Marine. Passe à la Marine et un tir à la Marine. À 3 points, bien sûr. À 9 mètres, à 10 mètres, elle peut les prendre. 20 premières minutes. Super passe. Gabby Williams, l'exécution française. Ça ressort à 3. Bang, bang. 2 sur 2. 2 de suite. Luko Savievic par en dessous. Le reverse. Le lay-up. Elle est capable, avec ses qualités athlétiques, de finir près du cercle. Et un ballon piqué, Sarah Michel, proposée. Très bien. La bonne lecture, la bonne passe, dans le bon tempo, Sarah Michel. Qu'elle se maintienne, on va dire, en forme, parce que derrière, il y a les JO et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Deux grosses compétitions comme ça, aussi rapprochées. Allez, allez, allez. Sarah Michel, belle lecture. Meyem sous le cercle. D'ici là, l'ombre d'Elena qui ont Sarah Michel, ça coupe aussi. Oui. Et N1, Luko Savievic qui poursuit sa lancée. La balle intérieure. Alex Duchet pour temporiser. Non, c'est pour dégainer. À 3. Alex Duchet. Elle a un vrai bras. Williams à l'opposé. Voici Marine Johannes. Il va falloir shooter un moment. À 4 secondes. Gabby Williams. Elle aussi, elle sait tout faire. À 3 points, la voici. Michel. Belle prise à deux, défensivement, mais ça laisse Marine Johannes ouvert. C'est une mauvaise idée. Mauvaise idée en italien. À 3 points, Marine Johannes. Marine Johannes qui prend ses appuis, bâché. Et Iliana Rupert qui va pouvoir la relever. Meyem, elle fait partie de mes favorites, personnellement. Andy Meyem à 12 points. Et pour l'instant, sur la chaîne YouTube, vous êtes plus sur Marine Johannes pour... le titre de MVP de cette partie. Gabby Williams qui va essayer de jouer André ou pas. Non. Elle va pas le jouer. Elle va pas le jouer, on va en rester là. L'équipe de France s'impose 70 à 53. L'équipe de France fait le 4 sur 4. 4 sur 4 en préparation après deux victoires contre l'Espagne. Deux victoires contre l'Italie. Avec la manière pour le deuxième